La disparition de Serge Roussel a été signalée hier vers 15h. C'est une aide-soignante qui s'occupe de la mère de la victime, âgée de 90 ans, qui a prévenu les secours. Vers 18h, les enquêteurs de la gendarmerie de La Flèche et de Château-du-Loir découvrent le corps sans vie du sexagénaire dans une dépendance de sa maison, rue Oscar Monéris. Près de lui, des traces de sang, mais aucune blessure par balle ou par arme blanche ne seront constatées sur son corps. L'homme habitait la localité du Sud-Sarthe depuis une bonne quinzaine d'années. Séparé, il vivait seul avec sa mère, même si des témoins parlent d'une femme que Serge Roussel hébergeait à l'occasion. C'est en tout cas une enquête pour meurtre qui a été ouverte par le parquet du Mans. L'autopsie, pratiquée demain sur le corps de la victime, permettra d'en savoir un peu plus sur les circonstances de sa mort.